Selon une enquête du Monde publiée samedi 4 novembre, plusieurs femmes s'étaient plaintes d'agression de la part de membres du FN, sans que la direction du parti ne s'en soit inquiétée. Une jeune femme, qui a travaillé pour la campagne de Walrand de Saint-Just, tête de liste du FN en Île-de-France pour les élections régionales de décembre 2015, dit avoir subi entre 2015 et 2016 pression et menaces de la part d'Axel Lousteau, ancien militant du GUD et homme de confiance de Marine Le Pen. Il est par ailleurs trésorier de Jeanne, le micro-parti de la présidente du FN, un ex-gros bras du GUD dans le viseur de la justice et après s'être éloignée d'Axel Lousteau dont elle était proche, la jeune femme qui a souhaité garder l'anonymat raconte au Monde qu'elle a commencé à recevoir des appels, des mails et des SMS de menaces à partir de juin 2015. Selon elle, c'est cet éloignement, ressenti comme de la déloyauté qui l'aurait poussée à exercer ses pressions, « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça déjà et leur adresseuse sur tes parents, c'est pas des menaces, c'est une promesse », lui écrit-il dans un SMS que le Monde a pu consulter, jurant de leur faire rencontrer la haine et la force, « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça déjà et leur adresse », dit-il aussi « Et encore tu veux faire du mal à ma famille, je vais te prouver quoi ce jeu-là, je suis redoutable ». Axel Lousteau aurait ensuite fait pression auprès de Marine Le Pen pour qu'elle n'obtienne pas de poste au sein du conseil régional. « Un de nous deux doit disparaître rapidement », lui écrit par mail le conseiller régional. « Je ne te laisserai pas 5 ans ici », lui dit-il. Le militant frontiste aurait également déposé une cartouche de 9 mm devant ses yeux pour la menacer. La jeune femme dépose une main courante dans un commissariat du 17e arrondissement après en avoir parlé à Walrand de Saint-Just, supérieur hiérarchique d'alors et à Nicolas Lesage, le directeur de cabinet de Marine Le Pen au Front National. Des alertes restées sans réponse, raconte-t-elle. Elle a quitté le FN en juillet 2016, contactée par le quotidien, Axel Lousteau a nié tout harcèlement, la députée du Pas-de-Calais, elle, a indiqué au journal c'est une affaire qui relève de la vie privée de ces personnes.